Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Noob Tart pour une nouvelle vidéo sur Kingdom Hearts, normalement la dernière si je dis pas de bêtises, si jamais c'est pas trop long. Donc ben je propose qu'on y aille directement. Donc là ça va me coûter, oh ça coûte pas trop cher encore. On va prendre ça, ça, hop, et bon, on s'en fout, voilà. Et du coup ben allons-y, allons voir ce qui se passe derrière cette porte. Montre-toi Anselme, tu es là, je le sens. Oh, je sais de quoi tu es capable, ta maîtrise des ténèbres s'est affinée. Mais je ne comprends pas. Pourquoi accepter les ténèbres et me refuser moi? Nous nous ressemblons, nous allons là où les ténèbres nous mènent. Nous évoluons dans le même univers, alors pourquoi me rejeter? Peut-être qu'une partie de ton cœur craint toujours l'obscurité. Non, la vérité c'est que... tu crains vraiment. Lol. You sick man. Tu es fou de vouloir me combattre, je t'ai déjà eu en mon pouvoir. Tu devrais savoir à quelle force tu t'opposes. Oui, je le sais très bien. J'ai utilisé toute la force que tu avais à offrir et quand j'ai même perdu face à Sora. Tu ne m'impressionnes pas. Très bien, alors plonge dans l'abîme des ténèbres. Ah, yolo, yolo. Merde, je me suis trompé de carte, évidemment. C'était Jafar que je voulais utiliser. Ouais, si j'arrive déjà à lui enlever la barre de vie là. Ok, j'en ai besoin. Voilà. Il se régène ou quoi, ou je rêve? Ou j'ai déjà envoyé... oh, je sais pas si j'ai déjà enlevé une barre de vie en fait. Il va me counter ou pas? Ouais, il me counter évidemment. Chaud hein. Avec sa garde. En fait, si vous voulez, le gars qui le protège est super fort. Et du coup, c'est difficile. Mais comme ça, là, ça l'enchaîne bien. Hein. Moi, je suis en mode dark comme ça. Ça fait un moment là qu'il est un peu dans la mise. Ok, je suis repassé en mode normal. Hop, je vais utiliser Oogie Boogie histoire de me heal un coup. Je suis repassé en mode dark. Allez, il faut que j'enchaîne. Ça peut être ma chance. Allez, gros bâtard. Je veux que tu meurs. Comprends-tu? Allez, ma counter. Je suis nouveau en dark. Allez, si on gère bien, je crois qu'on peut le tuer. Merde, 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 je voulais pas faire ça. Non, 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 non. Ah là 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 là. Ah, il est énervé. Aïe. Ok, on est bon. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de foutre? Ah ouf, putain, j'ai failli me rater, j'ai failli me merder sur la fin, désolé. Petit insolent. Anselme, tu es fini. Ce n'est que le début. Je t'ai offert l'obscurité, mon ombre subsiste. Je reviendrai. Je sais pas si c'est vraiment la fin, ça me paraît un petit peu trop facile pour le boss. Je sais que tu voulais faire ça seul, mais tu ne refuseras pas. Un petit coup de main. Hein. Allons-y, Riku. Ouais, il me semble bien qu'il y a encore une partie. Et maintenant, Riku, tu vas rentrer chez toi? Je ne sais pas si je peux. Elle est toujours là, l'odeur d'Anselme. Elle est faible, mais elle n'a pas disparu. Impossible de rentrer tant que je ne pourrai pas, tant que je pourrais la sentir. Ces ténèbres ont peut-être toujours eu emprise sur moi.
Tes ténèbres t'appartiennent, tout comme ta lumière. J'ai toujours considéré les ténèbres comme quelque chose de maléfique, mais à ton contact, j'ai changé d'avis. Tu as choisi une voie à laquelle je n'aurais jamais pensé. La lumière et les ténèbres se mêlent en toi de façon extraordinaire. Je veux voir où conduit cette voie. Et si tu veux bien, j'aimerais suivre ce chemin avec toi. Oh, majesté, je ne sais pas quoi dire, merci. Tu n'es pas obligé de m'appeler comme ça. Et... Entendu, mon roi. Je crois que c'est la fin du quiz barre à deux. Nice. Il est stylé 10 quand même, hein, je trouve. Moi j'avance un peu là. Quelle choix me donnes-tu maintenant? Prendras-tu la voie de la lumière ou celle des ténèbres? Ni l'une ni l'autre. Je vais prendre le chemin du milieu. La voie crépusculaire qui mène à la nuit. Non. Celle qui mène à l'aube. Hola! Hola! Ok, vraiment un petit truc à la fin. Lui, c'est Roxas, c'est le héros de Kingdom Hearts 2, si je dis pas de bêtises. Je sais pas pourquoi on le voit. Mais c'est lui qu'on incarne quand on joue à Kingdom Hearts 2. On joue plus Sora en fait. Je marche seul sur la route des promesses oubliées. Mais je sais que tu m'attends au bout du chemin. Et voilà, c'est la fin. Donc, on va tout de suite retourner, voilà, au menu. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais aller faire. Donc, on va jeter un coup de succès. Je vais prendre 2 minutes pour expliquer ça. Donc là, on en a débloqué 74 sur 88. Il manque plus grand-chose. Mais en gros, ce qu'il fallait qu'on fasse, en fait, c'était terminer l'histoire avec Riku pour pouvoir obtenir l'ultima, qu'elle soit débloquée, et aussi les dernières cartes ici. Enfin, ça, les lernes, on va aller chercher ça après, je vais vous montrer. Et les cartes. Là, Ansem et les Axus, il fallait faire absolument l'histoire avec machin, avec Riku. Mais sinon, tous les succès avec Riku sont normalement faits. Vous voyez? Donc, on n'aura plus besoin de jouer avec lui. Donc, voilà. Nous, on se retrouvera dans le jeu parce que c'est basé sur la RNG en fait. Donc, je vais faire des resets à chaque fois. Et ça risque de pas être très intéressant pour vous. Donc, du coup, on va faire ça de cette façon-là. Moi, je vous dis à tout de suite. L'Ultima et la One Winged Angels. Voilà. Là, on a eu l'Ultima. Donc maintenant ce que je fais c'est que je vais reset le jeu pour pas perdre ma carte et on va essayer d'avoir. Ah j'ai eu l'Axis, nice. Bon ben ça fait déjà une bonne chose de moins à faire. Ansem aussi, cool. On va tester avec les Mog. Oui je l'ai. Nice. Ok, Ok, on a eu stop, ça c'est cool. Gravité, nickel. Ah ben voilà, elle est là. Alors, pour Blazing, normalement ici c'est Blazing machin de Donald. On fait des 0 égal. Enfin, Blazing Blizzard, pardon. Hop, voilà. Donc, du coup, on peut reset. Hop, alors là, normalement. Tac, tac, tac. Stop Red. Nickel, on va pouvoir reset. Ok. On va aller chercher ça ici, alors. Tac. Voilà, et stock de foudre. On va pouvoir reset. Hop. Voilà, Fire Red, c'est appris. Tac, tac, tac. Ok. Et un de plus.
Normalement ici on va aller chercher Mouchou, alors il m'en faut une de 7, est-ce que j'ai ça? Une de 3, ouais nickel. Hop 7. Nice. Tac tac tac. Nickel, on a Mouchou. Parfait. Là on va chercher une des rewards, donc 9. 9 et la dorée. Voilà. Gravity Raid normalement. Voilà. C'est nickel. Ok, donc on se retrouve pour le dernier reward, le dernier achievement si vous préférez. Il faut une de 8. Voilà. Ça doit pas être compliqué de trouver un de 1. Voilà ici. Et 20 en vert. Hop, 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 mince, est-ce que je fais des bêtises? Ok, voilà, et la reward, hop là, allez, c'est parti, boum, warp. Donc, ça y est, on a warp, donc, du coup, ici, on a tous les succès. On va se retrouver dans un petit instant. Donc voilà, écoutez, Kingdom Hearts est terminé. On aura mis quand même. J'ai mis quand même pas mal d'heures. C'est donc 20 épisodes. J'ai mis 20. Ouais, près d'une bonne. Je dirais 35 heures parce qu'il y a eu beaucoup de resets, etc. J'ai perdu beaucoup de temps là-dessus. Mais sinon, ouais, bah, le jeu, moi j'ai beaucoup apprécié vous le partager. Faire les achievements, hein, il n'y en avait pas 3 ou 4, il y en avait quand même 88, mais on les a tous. Donc voilà, je trouve que c'était un très bon jeu. Je sais pas ce que vous en avez pensé personnellement. Si vous voulez partager vos impressions, vous pouvez mettre dans le commentaire, je les lirai. Donc voilà, du coup je pense qu'on va commencer comme prochain jeu Rayman normalement, vu qu'il y a égalité pour le moment entre Rayman et Mario Party Advance. Donc si vous voulez. Vous pouvez continuer à voter, mais d'ici à ce que la vidéo sorte, en fait, j'aurai déjà commencé le jeu suivant. voilà. Mais sinon, pour le reste, bah, moi, je vous fais des bisous. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!